70, le deuxième était le second. Le débat a été le plus technique, le plus ennuyeux de l'histoire de la Ve République. Et du point de vue de Jospin, ça a été extrêmement volontaire. Voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. La performance de l'élection présidentielle de 1995, c'est Lionel Jospin. Les premières estimations viennent de donner Lionel Jospin en tête. Une perspective qu'aucun socialiste, même parmi les plus optimistes, n'avait osé envisager. Lionel Jospin, heureux d'être arrivé en tête au premier tour et d'avoir fait un bon parcours présidentiel, alors même que 2 ans auparavant seulement, il était au fond du trou en 93. La gauche avait été balayée, les socialistes avaient subi une défaite gigantesque et Lionel Jospin lui-même n'était plus que conseiller général de Sainte-Gabelle. Contre toute attente, Jacques Chirac, avec près de 21%, arrive en seconde position. Il ne devance que d'un point le Premier ministre candidat Édouard Balladur. En 95, 7 ans se sont passés, il a pris beaucoup de recul, il a refusé d'aller à Matigny en 93, il a labouré le terrain, fait toute la France, beaucoup écouté. Il est, d'une certaine manière, lâché par beaucoup de ses soutiens historiques. Et quelque part, il est beaucoup plus libre. Il est beaucoup plus lui-même en 95 qu'il n'a jamais été. Et chez Jacques Chirac, les préparatifs vont bon train. Le maire de Paris n'en est certes pas à son premier duel, mais ses proches, cette fois-ci, lui conseillent une stratégie et une seule, l'attaque. À partir du moment où on savait que Chirac était qualifié pour le second tour, il était à peu près certain que la dynamique et le report, très propre d'ailleurs, de Balladur au soir du premier tour, créaient les conditions d'une victoire certaine. L'affaire est sérieuse et chaque camp s'y prépare avec ardeur. Ici, au quartier général de Lionel Jospin, un responsable visionne plusieurs fois par jour les prestations télévisées de Jacques Chirac et tente de déjouer les pièges. J'avais visionné tous les débats auxquels Jacques Chirac avait participé et j'avais fait une note de synthèse après avoir interviewé toute une série de personnes, lu toute une série de choses que je présente devant un aéropage des 15 principaux responsables de la campagne. Je fais mon petit topo. Lionel Jospin prend la note et il la met de côté. Et il dit, je ne ferai pas comme ça. Et ma note était très offensive. C'était une note pour déstabiliser, dérouter, battre Jacques Chirac. Et là, Lionel Jospin se met à m'engueuler. Non, nous n'allons pas gagner cette élection. Ça n'est pas possible, ce n'est pas la nôtre. Et c'était déjà sa pensée pour le débat. On égalise, on montre un homme d'État, on prépare la suite. Lionel Jospin est arrivé à 20h04, très précisément. Jacques Chirac, un peu plus tard, il était 20h11. Les deux candidats sont passés par une porte annexe. Lionel Jospin, il était assez décontracté. Quand je suis entré, après avoir frappé, bien entendu, dans sa loge, il était avec une demi-douzaine d'amis ou de collaborateurs. Et ils étaient tous en train de rire, ce qui, à 20 minutes du début d'une émission de duel d'entre-deux-tours, je ne crois pas que ça se soit produit une autre fois. Parce que, on connaît l'histoire, ils s'étaient aperçus que la veste et le pantalon de Lionel Jospin étaient bien gris tous les deux, mais ça n'était pas le même gris et ça n'était pas le même costume. Et de surcroît, il y avait une cravate qui brillait. Alors ça a été une geste panique, il essayait des trucs qui n'allaient pas. Puis finalement, on a décidé qu'il ferait le débat avec un costume dépareillé, en se glissant discrètement pour que l'adversaire ne voit pas. Et pour la cravate, Claude Chirac, qui était là, vient très gentiment proposer une cravate. Et Jospin dit non, je ne veux pas de la cravate de Jacques Chirac, par une sorte de superstition. Et donc on trouve une autre cravate. Celui pour qui l'enjeu était en fait le plus important, c'était Jacques Chirac. Je suis allé voir Jacques Chirac et je l'ai trouvé assis devant une coiffeuse, appuyé la tête entre les mains, comme ça, vivant avec une violence incroyable l'intensité du moment, parce que pour lui, c'était en gros. J'ai toutes les chances de gagner, sauf si je commets une erreur pendant le duel télévisé.
Je n'ai bien sûr aucun antagonisme à l'égard de Jacques Chirac, sauf ce qui peut nous séparer des convictions ou des conceptions ou des propositions différentes pour les Français. La première image qui me revient du débat entre Lionel Jospin et Jacques Chirac sont peut-être les premiers échanges extraordinairement polis, respectueux, attentifs l'un à l'autre. Je voudrais d'abord dire à M. Jospin que je suis dans le même état d'esprit que lui, naturellement, sur l'intérêt que je porte à ce débat et le respect que j'ai pour sa personne. Je le trouvais souriant, plutôt détendu. Et le début a créé en fait les conditions d'un match à peu près sans faute. Vous savez, les 39 heures n'ont pratiquement créé aucun emploi. 150 000 ? Non. C'est étude de la Banque de France. Non, c'est tout à fait contesté par la plupart des experts. Le débat a été le plus technique, le plus ennuyeux de l'histoire de la Ve République. La part des salaires dans la richesse nationale est tombée à 63%, c'est-à-dire qu'elle a diminué en gros de 10 points. Si les hommes s'effacent devant les programmes, les gens commencent à s'ennuyer. Il faut faire vivre les programmes. Il faut donner de la chair au discours programmatique. On n'avait pas ça avec Jospin Chirac. Donc, bon, le débat était de qualité, c'était courtois, ils ont parlé des programmes. Bon, mais c'est un peu, tout ça est un peu ennuyeux. Vous savez bien. Bon, bien sûr. Bien. C'est d'ailleurs ce qui justifie que je rétablisse en direction des sociétés. Du point de vue de Jospin, ça a été extrêmement volontaire. Il a montré simplement que c'était un homme qui avait du calme, du sang-froid, qui avait une posture respectueuse et respectable, qui maîtrisait parfaitement les dossiers, qui était un homme de gauche réformiste, pondéré. Et donc, il a marqué des points pour l'avenir. On s'est dit, Lionel Jospin ne peut sans doute pas être président de la République tout de suite, mais pourquoi pas plus tard. Je ne propose pas de partager la pénurie, contrairement à ce que vous dites. Je propose de partager la croissance, les fruits de la croissance. C'est tout à fait différent. Pour le reste, ça a été courtois, pas brillant. Lionel Jospin nettement plus détendu que Jacques Chirac, et même souriant. En somme, je voudrais dire, bah dis non, bien sûr, mais avec un fond de sérieux. Qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. Qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Il vaut 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac, c'est une phrase préparée. Qu'ils avaient tous, non seulement des réalisateurs, mais des communicants à disposition qui leur avaient fabriqué des phrases qu'ils essayaient de caser. Dans les tontons flingueurs, il y a 300 mots d'auteur hilarants. Là, il y en a deux, c'est pas gigantesque. Mais la nature de cette glaciation vient de leurs intentions politiques de fond, c'est-à-dire gagner pour l'un et, et participer pour l'autre. Quand l'émission a été terminée, ils se sont parlé, je ne dis pas comme deux amis, il ne faut pas exagérer, mais avec cordialité, en tout cas courtoisie, mais même une certaine cordialité. On se fait plaisir, quand on, toute agressivité, on se fait plaisir, on fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui, pour tous les meetings. On parle entre nous. Ah oui, Moi, vous avez eu la même chose. Bien sûr. Tu vas le plier. Oui, 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 naturellement. Mais ça, c'est les militants. Moi, oui, absolument. Alors, mais l'ensemble des Français... Pas tous, hein, pas tous les militants. Non, bien sûr. C'est ceux qui créent. Le soir du débat, juste à l'issue, on le retrouve pour quelques instants. Il me semble qu'on... boit un verre, sûrement une bière. Il est souriant, il est détendu, il est surtout très très content que ce soit derrière. Mais il est probablement au moment même où se termine ce débat, déjà dans la construction de l'exercice du pouvoir. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Tout au long de cette campagne, Lionel Jospin n'a pas cherché à gagner, mais comme il l'a dit, à relever le gant, à remettre la gauche en position de l'emporter plus tard. Et c'est ce qui s'est passé en 97, c'est ce qui ne s'est pas passé en 2002. La grande surprise, elle est venue en 2002. Personne ne pensait que Jean-Marie Le Pen serait au deuxième tour. À 14h, le dimanche, quand c'est intervenu, c'était à la fois une bombe et en même temps l'affaire était pliée parce que Chirac n'avait aucune chance de perdre.
De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Larmes, détresse et incrédulité ont envahi le siège de campagne du Parti Socialiste. Lionel Jospin est éliminé. Mais je retiens d'avoir revu Jacques Chirac au soir du premier tour, avec le choc de la présence de Le Pen au second tour de la présidentielle. Et on lui dit, il faut préparer le lendemain. Il dit, qu'est-ce qu'il y a demain? Je dis, vous avez un rendez-vous avec Bayrou, avec Madeleine. Il dit, non, il n'y a pas de rendez-vous. Manuel et tout ça, vous les prévenez, je ne veux pas les voir. Non, parce qu'il ne voulait pas les voir, mais il trouvait que c'était plus utile. Les militants chiraciens ont eu bien du mal à choisir entre applaudissements et consternation. Il dit, mais il faut quand même qu'on organise l'agenda pour préparer le débat. Nickel débat. Je ne sais pas que je vais débattre avec Le Pen. Et donc le soir même, à 22h, il avait plié l'affaire. Pas d'alliance, pas de négociation avec les partenaires, pas de débat avec Le Pen. Et il est seul face à sa responsabilité historique d'être celui qui protège la République. Face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de compromission possible, pas de débat possible. On a l'impression qu'il y a une génération politique qui est en train, peu à peu, de quitter la scène sur la pointe des pieds. Et bien sûr, Chirac sera élu triomphalement contre Jean-Marie Le Pen, mais aussi on sent que c'est la fin.